Yo les gars, c'est Zeko, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, toutes nos vidéos sont là, Obscur Clan. J'espère que celle-ci va vous faire plaisir. Et aujourd'hui les gars, on va lâcher un gros coup de gueule. Voilà, tout simplement parce que Treyarch se fout de notre gueule. Voilà, tout simplement, il se fout de notre gueule, il sort des mises à jour de merde. Donc voilà, c'est vraiment du n'importe quoi, on va parler de ça dans la vidéo. Avant de commencer le sujet de la vidéo les gars, je tiens à remercier à tous ceux, voilà, tous ceux qui m'ont félicité parce que j'ai passé co-leader au sein de l'Obscur Clan. Voilà, gros bisous à tout le monde qui m'ont félicité et surtout à Furox et Furious qui tout simplement ont cru en moi et maintenant je vais gérer avec Furox et Furious tout simplement la team. Je tiens à redire Furox le leader principal et je suis maintenant co-leader avec Furious et on est tout le temps à 3, on est tout le temps 3 à gérer la team, que ce soit pour les vidéos, pour les miniatures, pour les streams. Donc voilà, on s'est dit, j'ai proposé surtout que je passe co-leader. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont félicité. Et on va passer directement au sujet de la vidéo les gars. Aujourd'hui on va parler de Black Ops 4. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les gars? Treyarch, réveillez-vous. Déjà je vais pas parler 2 ans sur ça, mais ils nous mettent pas la microstation alors que tout simplement sur tous les Black Ops, Black Ops 1, Blackbird, Black Ops 2, microstation, Black Ops 3, Haker, Black Ops 4, on attend, j'espère vraiment qu'ils vont sortir cette microstation pour redonner un petit coup de peps au jeu, mais là ça commence vraiment à être du n'importe quoi. Pour vous dire les gars, ça va faire je crois le 29-30 octobre qu'ils ont sorti une mise à jour qui a flingué le jeu. C'est comme si ils avaient tout simplement rajouté un jeu, ils avaient remplacé l'ancien Black Ops 4 qui était vraiment super bien. Il était vraiment super bien, on tapait des nuques, bon délire et tout. Franchement le début du jeu était vraiment super cool. Ça, j'espère tout simplement qu'ils vont pas faire comme World War 2, parce que World War 2 ça a duré 2 mois le jeu, après c'était fini. Et juste les replays TK qui restaient le jeu faire des 300 kills, mais ça c'était vraiment des monstres. Et tout simplement les gars, c'est plus possible. Ils nous sortent des mises à jour, les spawns. Tu respawns derrière un mec, gros, tu peux lui donner un coup de crosse carrément. Que ce soit les spécialistes, je pense pas qu'ils ont fait grand chose. Mais quand même, ça depuis le début du jeu, on leur dit, le spécialiste, le chien de mort là. Mais le chien de mort, il met un torticolis au chien. Mais franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. J'espère vraiment que Treyarch va tout simplement faire une mise à jour pour améliorer le jeu. Je vois même des vidéos que The Kairi fait. Ouais, code, c'est bien, mais il n'a pas de nouveauté. Il n'a pas de nouveauté parce que Treyarch, il se bouge pas. Ils sont obligés de copier sur Fortnite avec un marché noir de merde qui prend 2 ans. Et en plus, c'est 200 euros pour débloquer tout. 200 euros, les gars, pour avoir une tête de mort sur ruine. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, s'il vous plaît. Donc voilà, aujourd'hui, tout simplement, je vais faire un gros coup de gueule. Et je tiens aussi à dire aux gros youtubeurs, voilà, que ça soit... Je vois qu'avant, tout simplement, au début du jeu, il avait la hype. Je vois Grony, Tonio, voilà, les anciens, Monsieur V12 qui recommence à faire des vidéos dessus. C'était vraiment la hype, le jeu était vraiment bien. Et là je vois que ça commence tout simplement à partir à cause de la mise à jour. Donc voilà les gars, oubliez surtout pas de partager cette vidéo. Je pense pas que Treyarch va voir cette vidéo, mais voilà, faire aussi faire beaucoup d'écho, voilà, que ce soit vous sur Twitter, de faire des arbos Treyarch, mettre tout simplement dites-leur tout simplement de faire des mises à jour, parce que là ça va plus. Et j'espère que les gros youtubeurs comme Tonio et tout vont faire des vidéos pour dire à Treyarch de faire ça. Et voilà, j'espère vraiment qu'ils vont se bouger. Et les gars, dites-moi aussi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous voudrez qu'ils améliorent. Moi carrément, je vais même pas dire les trucs qu'ils améliorent, c'est qu'ils améliorent le jeu complet. Parce que le jeu, que ce soit les armes, la vie, les spawns et tout, le jeu est devenu nul, injouable, nul, zéro. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a le même point de vue. Donc j'espère tout simplement que Treyarch va faire en sorte que le jeu soit meilleur d'ici les prochains jours. Donc voilà. Les gars, je vous dis à la prochaine, vous connaissez, likez, commentez, de vous abonner, activer la petite cloche des notifications. C'était Zeko, allez, peace!